Kenya, réserve du Maasai Mara. Eddie Olikotoy est le conservateur adjoint du secteur ouest de cette célèbre réserve à la frontière de la Tanzanie. Son métier, il l'exerce depuis 18 ans. Il connaît toutes les habitudes de la faune et rien ne lui échappe. Les circonstances de sa naissance prédestinaient Eddie à ce métier. Il est né en pleine brousse, alors que sa mère tentait de regagner le village. Eddie est Maasai. Il aurait pu être berger comme ses ancêtres. Pendant toute son enfance, il a grandi avec la fascination du lion. C'est l'animal phare de son peuple. Tous s'identifient à lui. Eddie n'a jamais abandonné son héritage Maasai. Avec son métier, il poursuit sa passion, observer les lions. Grimper aux arbres est une attitude singulière pour des lions. Seuls les lions du Serengeti en Tanzanie sont des grimpeurs. Ces trois sœurs ont appris ce comportement de leurs parents, originaires du Serengeti voisin. Elles tentent ainsi d'échapper à leur pire ennemi, les mouches suceuses de sang. Curieusement, ces lions ont été abandonnés très jeunes par leur mère nomade. Eddie en ignore la raison. Elles auraient dû mourir, elles ont aujourd'hui 4 ans. L'une d'elles a eu cette année sa première portée, 3 lionceaux. Deux d'entre eux ont été tués par des hyènes pendant que le trio de lions était à la chasse. Un seul a survécu au massacre, une petite femelle. Fait rarissime, elles vivent sans la protection d'un mâle. Le mois dernier, Eddie leur a sauvé la vie. Pendant quelques semaines, elles n'avaient pas réussi une seule chasse. Affaiblies, elles allaient mourir de faim. Eddie, avec l'autorisation de ses supérieurs, a tué un gnou pour leur permettre de reprendre des forces et chasser. Au quotidien, Eddie glane des informations sur la localisation des animaux auprès des chauffeurs des camps touristiques. Il lui signale les animaux malades ou les naissances. Enjoy your game, driver.
Okay. Okay. We're on candy. Thank you. Deux fois par semaine, Eddie et ses hommes patrouillent le long de la frontière de la réserve. Mesure indispensable pour dissuader les populations alentour de braconner le petit gibier. Aujourd'hui, ils identifient les traces laissées par des chasseurs de miel à qui l'accès à la réserve est interdit. Pendant la nuit, les braconniers ont enfumé la ruche et l'arbre a pris feu accidentellement, au risque de déclencher un gigantesque feu de brousse. L'activité favorite d'Eddie consiste à sillonner la réserve en voiture, ce qui est exceptionnel. Il ne dispose pas de suffisamment d'argent pour mettre de l'essence et bien souvent, cette voiture est en panne. Aujourd'hui, il rend visite à la harde de l'Enana, célèbre pour ses quatre mâles, qui veillent sur deux femelles et leurs huit petits. Ce sont des frères. Un seul est le mâle dominant. L'un d'entre eux rejoint les lionceaux pendant que les femelles chassent pour la tribu. La seule mission des mâles est de multiplier leur progéniture et de protéger leur territoire des intrus. Eddie connaît l'étendue du territoire de la harde de l'Enana. Il retrouve facilement l'une des femelles qui s'apprête à chasser. Sa consœur doit attendre tapis dans l'herbe que celle-ci lui rabatte le gibier. Mais aujourd'hui, le vent qui tourbillonne trahit la présence du félin caché. Les zèbres ne partent pas dans la bonne direction. Eddie retrouve un autre frère non loin du groupe des jeunes. Mais pas le mâle dominant. Il est rare de voir quatre mâles défendre le même territoire, et ce depuis 3 ans. Eddie a constaté qu'en général, un mâle ne reste pas à la tête de sa harde plus de 18 mois. Ces jeunes, âgés d'environ 1 an, ont un début de crinière. C'est à cet âge qu'ils apprennent à chasser avec leur mère. Lorsqu'ils auront 3 ans,
le mâle dominant les expulsera de son territoire. Ils devront alors chasser pour survivre et errer en attendant de conquérir leur harde. La mère annonce son retour. Contrairement à d'autres félins, les lions sont des animaux sociaux et tous les membres d'un clan reconnaissent les sons émis par chacun d'entre eux. Eddie repère finalement le mâle dominant. Occupé à faire la cour à l'une de ses femelles, il s'est mis à l'écart des siens. Pendant une semaine, les deux tourtereaux, tout à leurs amours, ne mangeront pas. Les buffles en troupeau craignent les lions qui s'attaquent à leurs petits. Eddie constate que deux femelles vont bientôt mettre bas. Les lionnes seront alors à l'affût. Les hyènes et les lions se détestent. Ils entrent en compétition pour se nourrir et n'hésitent pas à se voler mutuellement des carcasses. Parfois même, ils s'entretuent. Ces hyènes décidées veulent un droit de passage. Furieuse, la lionne marque son territoire d'une balise olfactive. Bien souvent, l'union l'emporte sur la force.
Les guépards entrent aussi en compétition avec les lions. Peu nombreux et solitaires, ils sillonnent de très vastes territoires, mais se montrent très discrets. Eddie note que ce jeune guépard a un comportement anormal. En fait, il souffre de la gale, une maladie de peau. Affaibli, il risque de mourir. Une épidémie a déjà touché cette année la population de hyènes. Eddie prévient son QG par radio pour qu'on fasse venir un vétérinaire de la capitale. Eddie accueille et encadre les nombreuses équipes de cinéastes animaliers qui viennent dans son secteur. Au fil des années, il a fini par retrouver toujours les mêmes têtes. En général, Eddie prépare le terrain en localisant à l'avance les animaux qu'ils veulent filmer. I'm on the male. I can see some females near the male there, on the other side. Okay. Let me look. Then I can see some cubs over there. La lionne a une gestation de 3 mois et demi. Et le mâle restera à ses côtés au sein de la harde tout le temps de la grossesse. Ensuite, elle se cachera pour mettre bas. Eddie surprend un serval, événement rarissime. Essentiellement nocturne,
le serval se tapit le jour sous les berges des rivières asséchées pour sortir chasser la nuit. Le travail d'Eddie implique aussi de vérifier que les chauffeurs des cars touristiques ne s'approchent pas des animaux à moins de 5 mètres. Pas question non plus de sortir des pistes, ni de klaxonner. Mais souvent, ils préfèrent enfreindre la loi pour faire plaisir aux chasseurs d'images. S'il les surprend, Eddie leur fait payer une amende. De l'autre côté de la rivière Mara, c'est le territoire de la harde de Governors. Au total, 3 portées. Eddie réalise qu'il est en train d'assister à la première présentation faite au groupe de 3 lionceaux nés il y a 2 mois. Comme toujours, ils ont été cachés par leur mère depuis leur naissance. Aujourd'hui, les 3 petits intègrent le clan et vont apprendre à leurs dépens la dure loi du plus fort. L'hiver prochain, beaucoup de lions étrangers arriveront du Serengeti, avec la grande migration des gnous. Eddie se demande si le mâle vieillissant de la harde de Governors saura préserver son territoire et garder sa place. Ainsi va la vie au Maasai Mara, au rythme des migrations saisonnières, celle des visiteurs et celle des gnous, avec Eddie comme témoin privilégié de ce petit Éden.